Bonjour internautrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les jeux du cygne. On se retrouve sur notre partie, deuxième épisode de où on joue les Skaven avec le mode de Rimhammer. On avait deux de nos charmants petits ratons qui avaient une bonne diarrhée, mais celle-ci est à peu près gérée, donc ça devrait le faire. On a nos nouveaux compagnons ratons, Xar et... il faudra le renommer. N'hésitez pas à me proposer des noms pour mes trois personnages principaux et même éventuellement mes petits ratons. Sally, Gigi et Sydney, c'est possible que je les garde pas très longtemps. Autant eux deux, a priori, ils sont quand même un peu plus performants, puisqu'ils ont été invoqués par magie. Hein, c'est Kralk qui les a invoqués grâce à son sort. Voilà, et donc pour l'instant on a notre tanière percée un peu partout. Mais c'est normal puisque je me suis imposé de devoir attendre, de rechercher ceci. Crude structure. Avant de pouvoir me faire des portes, des murs, etc. Pour l'instant. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce que je vais être capable de me faire un deuxième... 18 et 17, ça fait 35. Je vais pouvoir me faire un deuxième... Non, ça ne lui plaît pas. Un deuxième duvet. Light leather. Chez moi, 18 et 17, ça fait 35. Hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris. On va avoir notre premier distributeur de pâtes nutritives Skaven. Et... Seven Wands... c'est qui les Cloven Wands? Qui que c'est? C'est quoi, c'est ça, Cloven Wands? Ah, c'est les hommes bêtes. Pas très grave. Donc je suis en galère de bouffe, on a l'habitude. On va repartir chasser, c'est déjà demandé. Hop. Il va falloir dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il chasse? Ça sera plutôt mon gladiateur. Croascal. Ouais, vraiment, je veux bien vous me proposer des noms. Parce que. Ça va commencer à être sérieusement galère. J'ai besoin que l'Ashrunner me fasse des... me construise. C'est important. Allez, on accélère un peu. Ah, une arrivée magique. Qu'est-ce qu'on me propose? Oh, un humain. Un humain, un magicien. Un magicien du métal. Alors... Ah, il est un Waverling. Gourmand. Je peux le recruter, j'en sais rien en fait. Non, il est indépendant, donc il y a moyen que je le récupère en fait. Hein. Il y a clairement moyen. Est-ce que ça apporte quelque chose, les Staff Wizard? Par le fait que ce soit du contendant. Focus. Je sais pas où c'est marqué le côté focus. On sait pas bien. Bon. On va essayer de le sauver et puis je sais pas si je peux le recruter. Donc qu'est-ce qui va aller me... Ça va être toi. Ouais, ça va être toi. On va essayer de le récupérer. De le soigner. Pendant ce temps tout crame, c'est pas bien grave. Madrat, merde. Un rat qui devient fou avec des Skaven autour, mais je te jure. Reste dans le coin, va récupérer.
ta masse en acier. Tu vas te mettre là. C'est parti, mon kiki. Allez, bim! Voilà. Ça, c'est fait. Tu vas reprendre ta fronde. Hop, on passe en S4. Qui va se passer. Ok. Donc là, on est parti. On veut n'importe quel type de bidoche. Et hop, nickel. Bah, ça va être toi. Il va t'installer là. Après tout. Ça va quand même pas être l'esclave qui va avoir le duvet en premier. Et voilà, mes premières croquettes. Ah si, Disgusting Slop. J'adore. Oui, il y a un truc que je voulais voir. Parce que le côté race Skaven, en fait, je sais pas trop ce que ça implique. Comme bonus malus, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait derrière. Faut que je regarde. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le suspendre. Il va faire moins de cuisine. Ici, du coup, c'est Butcher Creature. Donc, hop, on fait ça et ça disparaît. Ça sera plus efficace. Ça disparaît là. Tac. Pas mon herbe. Le problème des races, c'est qu'il me bouffe tout. Lui, par contre, ça va pas lui plaire. S'il doit bouffer. C'est quoi? Unleash Hail of Magical Energy. Damage to an enemy. En une statue dorée. Ah, ceci dit. Ah oui, mais non, je l'ai pas encore. Parce que là, ce qui serait drôle, ce serait que j'utilise ça, mais ça, pour l'instant, je peux pas le faire. Il faut que j'ai au moins 3 points de magie. Et ah, peut-être qu'il faut que je les économise, du coup. Alors, agriculture, très bien. Donc ensuite, on va chercher à se faire. Ce serait quand même bien si j'arrivais à refermer ma zone. Donc là, c'était pour faire des... plantes, de l'herbe médicinale. On va se faire du coup une zone. Alors il faudrait que je. Ça en fait, je vais le transporter de l'autre côté. Pied-coller. Et on va scratcher ça. Et donc je vais me faire une autre zone de plantation. Et cette fois-ci, ce sera pour faire du donc le fameux maïs caven que je viens de rechercher. A priori, c'est dégueulasse, mais c'est pour ça qu'on aime ça, parce qu'on est des rats. Hop, je sais un petit chemin. Tac.
Donc, là, je lui veux du Black Corn Plant. Voilà, c'est moins bon, mais on s'en fout un peu. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que tu peux plus le soigner, le cas échéant, avec de l'herbe, parce que faut quand même pas déconner. Eh ben si, je l'ai recruté. Bon. Alors, du coup, logiquement, il va pas être content. Dormi au sol, il va... il aime pas du tout ce qu'il bouffe. Bon, je sens qu'il va falloir que je fasse deux types de... Ah oui, merde, du coup, il mange ça, là. Alors, je vais faire deux types de repas. Donc, je vais en faire un. Je vais en faire un new, qui va s'appeler... pour les ratons. Et puis... pour les sans fourrure. Hop. Pour les sans fourrure. Donc, pour les sans-fourrures, je vais leur dire de bouffer, bah, pas de la bouffe de hum, pas des corps, pas des plantes, pas des... Bah non, ça se mange pas, des drogues non plus. Alors si ça fait partie des... Je sais pas si ça fait partie... Non, ça fait... Entre les drogues et... Bon. Je vais l'interdire. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Le chocolat, éventuellement. Donc là, j'ai tout ce qui est viande de base. Voilà, donc tout ce qui est meal. Disgusting slop, je vais l'interdire. Hop. Donc toi, t'es clairement un sans fourrure. Tac. Et... Oh, mais j'ai vraiment du mal, moi. Qu'est-ce que je fais? Pour les sans fourrure. Là, c'est pour les ratons. Et donc, pour les ratons, pour le coup, je vais juste leur autoriser ça. On va éviter tout le reste. Ouais. Oh, t'as mis quoi? Pour l'instant, je vais tout interdire. À part ça. Donc, hop, pour les ratons, tac. Les autres, je vais les supprimer. Pour les ratons, c'est la base. Bon, ça m'embête un peu de recruter un sale humain, mais je trouve ça rigolo que d'avoir un magicien. Donc c'est ça qui me plaît. Ok. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais les sacrifier. Je vais garder par contre ces ratons là. Alors ils sont banded, donc il faut que je fasse gaffe de pas les perdre. Je sens qu'il va me faire des crises en boucle. De toute façon, si jamais il me fait trop de crises. Il terminera en pâté pour chien. Pour rat, pardon. Bof. 6. Enfin, non. A priori, non. Cook. Bah, à la limite, ta bouffe, tu peux te la faire. Du coup, il faut que je remette de faire de la bouffe. Il attaque au cac. Il peut éventuellement aller à construire.
Ouh, il va pas servir à grand-chose, lui. Il va faire de la recherche. Il va me falloir que je me fasse un deuxième truc de recherche. Mais pour le reste, c'est pas terrible quand même, hein. Il va surtout faire de la recherche. Il est quand même pas très très utile. Tac, du coup, je vais l'autoriser, mais je vais juste en avoir deux en permanence. Hop. Je le remercie, en effet. Tac, tac, tac. Ah, super, il vient de passer plante 8, donc il va pouvoir me faire de l'herbe médicinale. Et ça, il faut que je m'en fasse un deuxième, on a dit. Party! Yeah! C'est la fête! Je me refais un deuxième tabouret. Là, il me faudrait aussi. C'est moins obligatoire. Production. J'ai rien de plus. Ah si, alors ça, j'ai toujours pas fait. Des fois, je vais me faire des vêtements. Ça pourrait servir. Nickel. Donc là, c'est parti pour les herbes médicinales. Je sais ce que j'ai pas fait, c'est ça. Bon, toi tu chasses quand tu seras dans le coin. Va me les. Hop. Pour t'occuper de mes trois, parce qu'ils me prennent de la bouffe pour pas grand-chose. Et toi, tu pourrais d'ailleurs rééquiper ton bâton de mage. Bah, je suis vraiment short en nourriture. Toi, tu fais quoi de tes journées? Tu fais du fouling. Je vais te remettre en chasse 2. Hop, il faut vraiment que je chasse davantage. Est-ce que je peux me faire, oui, plain leather, je peux me faire un autre. Notre bedroll, alors pas en light weather, en plain leather, tac. Je vais même peut-être pouvoir en faire deux, ça c'est quoi? Ceci dit, ce serait plus simple si je déroulais ça. Plain leather, 35, light leather, je peux en faire un troisième. Okay. Comme ça, tout le monde aura son magical delivery. Tout le monde aura de quoi faire de... Oh bah tiens. Hop. Il va être content avec ça, le père Kaiser. Alors, hop, d'ailleurs, il a un nouveau point de magie. Non? Ah non, c'est toi. Moi, je vais attendre. Si j'arrive, à la limite, je vais le transformer en. Je vais le transformer en. Comme sa puissance est proportionnelle, je sais pas si je peux le faire sur mes propres trous.
ça, parce que le temps qui consomme ce qu'il y a là. Ensuite, tu me feras ça. Ah, Malaria Kaiser. Soigner. D'abord un petit coup de... Un petit coup de ça. Qu'est-ce que je voulais? Tac. Ça, je l'ai pas changé. Tac. J'ai même pas vu, il a quoi comme défaut? Il est gourmand. Ah, ça fait deux gourmands dans la team. Pour la gestion de la bouffe, c'est pratique. Et toi, reste là jusqu'à ce que... Non, tu me fais ça. Tac. Et ça, on supprime. Voilà, là, ça va commencer à le faire pour la bouffe. Il faut que je fasse gaffe, il faut que j'arrive à réguler de pas trop en faire. Je vais pouvoir recommencer à creuser, je pense. Je vais agrandir un peu ma pièce. Hop. On va faire plus 3. Hop, là, on va garder l'entrée. Je suis passé en vert. Tac. Alors, je commençais à chercher. Si tu as besoin de traitement, tu vas te... Qu'est-ce que tu fais? Going for a walk. Tu penses vraiment que tu as que ça à faire? Tac. On va arrêter d'utiliser de l'herbe. Des herbes de Provence. Tac, tac. Hop. Non, c'est pas fini. On puisse nourrir à tout seul comme avant. Tac. En termes de bonheur, est-ce qu'il est disturbe ce... Ouais, il dorme dehors, ça c'est clair que c'est pas génial. Par contre, la gestion du moral chez les Skaven, ça va. C'est que du coup, ma bouffe, elle se périme. Tes pouces pour Starvation. Qu'est-ce qu'il meurt de faim? Ah merde! Mais. Où est-ce qu'il va se servir là? D'accord, quel con. Mais qui sont cons, je te jure. Et du coup la viande se dégrade, pourrit, alors que il mange pas. Ensuite, on va chercher deux crossbow,
D'abord essayer de faire la magie. Non, de la médecine. Ici, il fallait que je copie ce que j'ai là. Tac. Le col. Ah non, je peux pas. Ouais, c'est-à-dire que ça, il sait pas faire. Tac, tac. J'aimerais bien arriver à copier tout ça et à le coller là. Voilà. Et ensuite, je supprime ça. Ah, un petit raid. Un nain. Un tueur. Bien. Alors, je vais le rôtir. Avant que je commence à rôtir. Structure. Je veux faire des portes. Je vais faire une porte comme ça. Je vais faire une porte comme ça. Une porte comme ça. Et je vais construire ça et faire une porte à la place. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque tout de suite. Ou il m'attaque pas tout de suite. J'ai pas regardé. C'est là. Message. Il attaque immédiatement. Allez, on va le recevoir. Toi, tu vas équiper ta meilleure masse. Lui, pour le coup, on va le bouffer. Hein. On va chercher à le recruter. Parce que bon, c'est quand même juste. C'est un nain, quoi. L'autre, à l'extrême rigueur, on pourrait dire, ouais, il est vaguement humain. Bon, la bouffe qui. On repart à la chasse. Là, hop. Tout le monde à l'attaque. Ici, est-ce que je lui ai bien dit? Doing field work, ça je m'en fous. Par contre, quand il est en action, on va clairement en faire quelque chose. J'ai 3 distances pour. Enfin, 3 mêlées pour 1 distance. Mais ce que j'ai et qu'il n'a pas, c'est ça. Bim. Le full midlife. Et toi là, si je te final transmute. Bim! J'en ai fait une statue en or. J'adore! J'adore! Je suis fan. Je l'ai cramé, le mec. Du coup, tu vas reprendre ta fidèle fronde. Et on est reparti à la chasse. Donc ça a 51%, j'en suis encore loin. Chasser. J'aurais peut-être pu chercher des trucs un peu plus proches. Le plus proche, c'est du Mufalo, du Rhino. Qu'est-ce que j'ai d'un peu plus proche? Là, j'ai un Rhino tout seul. C'est à quel. Ça s'est déjà réactivé. Oh, je sens que j'ai chassé à coup de sort. Je sens que Kral qui va aller me cramer du rhinocéros. Tu étais peut-être un peu ambitieux. Ah ouf. Oui, là c'est long le. Ah oui, 20 000. La vache.
J'étais peut-être un peu ambitieux. Hop. Truc. Bim, le petit stun là qui fait du bien. Oui, c'est vachement rapide. Bim. Bon, j'ai perdu un râteau. C'est pas grave. Hop. Kaiser. Oh, c'est bon, il a rien pris de bien méchant. Et ça. En plus, je peux en réinvoquer des ratons. Hop là. C'est des consommables, quelque sorte. Est-ce que je peux aller chasser d'autres qui soient pas à perpète les oies là? Ils sont tous assez loin en fait. Ça c'est quoi? C'est encore un. Ah, ça c'est un ours. Ok. J'aimerais bien que ça n'atteigne pas. Plantation, si c'était possible. Alors là, c'est la quête de fin de partie. Donc c'est la quête de fin de partie, hein. On va voir où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je suis moi? Je suis très 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 loin, hein. Moi je suis là. Ouais, bah, c'est ça, c'est à l'autre bout du monde. Ok. Enchanté de la prendre. Tac. Tiens. Tac. Là, il faut que je reprenne ma production de bouffe. J'arrive à me faire 65%. La bouffe, enfin du maïs. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas me chercher là, ma belle statue là? Esclave. Va me chercher ma belle statue. Ah oui, le truc c'est qu'il a toujours pas fait les portes en plus. Ah mais ça c'est parce que il est en deux en chasse. Des tout malade. C'est dans furniture. Tac. Hop. Tac. Et il faut. Oh, c'est juste en médical. Tac. Ok, nickel. Et encore une Magical Delivery.
Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est très bien, de la préserve. Hop, ça va me permettre de ne pas avoir à faire de cuisine pendant un temps. De nouveau. Non, alors là je voudrais bien qu'ils ne me mettent pas la préderve. Tac. Slop bucket. Ah oui, il faut que je le fasse individuellement. Plus à foot, ça non. Je préfère pas. Tac. Tac. Et tac. Et on commence à creuser. Alors, Kaiser Level Up. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme sort? Forge of Champion. Améliore le craftsmanship, l'artisanat. Sympathique. Donc c'est l'art de la forge. Ça c'est une attaque. Ok. Ok. Ça. De comprendre ce que ça fait, ça. Le tournoi comme animaux. Ouais, je suis pas bien sûr que. C'est peut-être si, c'est peut-être que quand ils font une crise. Ouais, ça doit être ça. C'est... Quand ils sont en crise, ça doit permettre de les calmer. D'accord, protection contre les attaques à distance. Bon, je vais prendre son attaque courte là. Hop, voilà. Enfin, une attaque de base. Ouais, là c'est cooldown 15 secondes, alors que là c'est un cooldown de 20 000 secondes. C'est un peu comme pour lui. Ça c'est son attaque de base, et ça ce serait sans doute l'attaque de beaucoup plus longue, 15 000 secondes. Un petit laisser 3 points. Ça, j'aimerais bien qu'il me l'enlève. Tac. Voilà, merci. Tout leur faire. Médecine. Alors, la médecine, ensuite on va chercher faire de l'art scaven, peut-être pas tout de suite. Advanced furniture, ce qui me permettrait de faire des lits. Ce serait mieux. Ce serait sans doute mieux. C'est la porte là. Oui, sauf que s'il l'a fait. Il est pauvre. Du coup, là, c'est devenu une baraque. C'est plus l'extérieur. Non, oui, c'est encore considéré comme extérieur. Oui, parce que ça, c'est resté ouvert. Là, maintenant, normalement,
Peut-être la prochaine fois ça aura disparu. Alors, qu'est-ce que tu dis toi? T'en es ouf. C'est bon. Tu vas survivre. Bien. Bon, bah on s'en sort. S'en sort. Et je vais arrêter l'épisode ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'hésitez pas à me donner des noms pour nos ratons. Que ce soit des ratons à quatre pattes ou des ratons à deux pattes. Je vous fais bien des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.